Chers téléspectateurs de Mourchid TV, bonjour. Votre émission Écoute revient aujourd'hui pour parler d'un thème qui porte sur l'importance du marketing dans le développement des entreprises. Comme on a l'habitude de le dire, il ne suffit pas de fabriquer de bons produits, de développer des technologies pour avoir, en fait, pour voir son chiffre d'affaires augmenter. Le succès commercial ne vient pas seulement du savoir-faire, mais aussi du faire savoir. Ce qui fait que donc ce secteur-là, en tout cas, joue un rôle croissant, le faire savoir, je voulais dire, joue un rôle croissant dans un climat de concurrence exacerbée. Toute entreprise, donc, quelle que soit son activité, est confrontée à cette réalité. Ce qui nous pousse aujourd'hui, n'est-ce pas, à parler donc d'un thème, n'est-ce pas, qui porte donc sur le marketing et son importance dans le développement de l'entreprise. Autour de ce plateau, nous avons à ma droite M. Docteur Abdou Karim Faye. Docteur Abdou Karim Faye est docteur en sciences de gestion et marketing, assistant à la FASEC, consultant formateur en études et recherches en marketing. Il est également professeur aussi dans plusieurs instituts de la place. Monsieur Abdou Karim Faye, bonjour. Bonjour, Monsieur Gueye. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. En fait, vous nous donnez l'occasion de parler aujourd'hui d'une discipline très importante dans la vie des entreprises, mais qui n'est pas souvent très connue du grand public et même des acteurs autour de l'entreprise. Merci, Monsieur Faye, et merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma gauche, j'ai Monsieur Lai Bambasek. Lai Bambasek est consultant formateur en marketing et communication, diplômé d'État. Il est également un acteur dynamique, n'est-ce pas, dans le secteur, à travers ses contributions, mais également aussi à travers un peu ses activités, n'est-ce pas, dans la formation des jeunes dans cette discipline. Monsieur Lai Bambasek, bonjour. Bonjour, Monsieur Gueye. Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier tout le staff de la télévision Mourchid TV et de souhaiter un bon repos dominical à toute votre audience. Merci, Monsieur Lai Bambasek, et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation, malgré votre agenda très chargé. Avec nos invités, nous allons essayer de discuter d'un certain nombre de points, n'est-ce pas, en relation avec le thème. Mais avant d'aborder en tout cas les différents points en relation avec le thème, il serait quand même bien, M. Abdou Karim Faye, de parler d'abord du concept, le marketing en tant que tel. Qu'est-ce que réellement le marketing? Merci beaucoup, M. Gueye. Je crois que c'est très important, avant d'aborder la question de l'importance du marketing dans les entreprises au Sénégal, il est bon de revenir un peu sur ce concept que je disais tantôt, mal connu du grand public, et pourtant très important dans la vie des entreprises. Alors, mais si nous essayons de revenir sur la compréhension de cette notion, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de définir le concept. Il y a plusieurs conceptions qui traduisent certainement diverses conceptions de cette fonction au sein de l'entreprise. Mais s'il y a une chose dont toutes les définitions convergent, c'est que le marketing, c'est une discipline qui part de l'étude des besoins d'un consommateur afin de lui apporter un produit adapté à ses besoins sur le marché. Okay. Ainsi donc, le marketing donne la primeur au client. Malgré ce qu'on pense souvent, quand on parle de marketing, les gens ont l'habitude de le confondre avec la publicité. Et là, le marketing serait une forme de propagande. Donc, on a souvent l'habitude de ne parler que du sens assez péjoratif du terme. Okay. Et ça me permet souvent d'avancer un peu dans son évolution. Okay. Le marketing est une discipline, faut dire, c'est une discipline assez récente. Assez récente et surtout dans le continent africain. Sa pratique a été tardivement appliquée dans les entreprises et même sa pratique est inégale au sein des pays. Okay. Il semble aujourd'hui que les pays d'influence anglo-saxonne aient été les premiers touchés, sans doute à cause de l'origine américaine du concept. Okay. Et pour ce qui est des pays francophones, hormis les pays du Maghreb, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun
qui sont aujourd'hui les pays qui sont les plus touchés par la discipline. Okay. Sans doute, ceci peut être expliqué par la présence de très grandes filiales occidentales dans ce domaine. Okay. Qui justifie. Ben, ce qu'il faut aussi comprendre sur le marketing, c'est le concept n'est pas un concept statique, c'est un concept dynamique. Le marketing dans l'histoire a évolué. Je veux dire, ses pratiques ont évolué. On est parti d'une conception du marketing de la production, c'est-à-dire les pratiques commencées par l'entreprise pour aller vers le client. Plus tard, le monde a découvert ce qu'on appelle la concurrence. On est parti cette fois-ci d'une approche dite concurrentielle. L'entreprise fait ses produits en fonction de ce que fait la concurrence. Et la concurrence devenant de plus en plus exacerbée, le client commence à avoir son mot à dire. Et là, on est passé sur une autre approche qui est dite approche client. Et aujourd'hui, dans la le marketing, dans sa pratique la plus rigoureuse, la plus aboutie, est une discipline qui est orientée client. La pratique, le client est au début et à la fin du processus marketing. Et je pense qu'on aura l'occasion tout au long de cette émission de revenir sur ça. Je laisserai toute la parole à vos collègues de compléter tout ça. Parfaitement. Merci, M. Faye. Je pense que vous avez bien campé en fait le débat. D'abord, vous êtes revenu sur le concept de marketing et vous avez également aussi parlé de son évolution. Monsieur Laïda Mbassek, à la suite de Monsieur Abdou Karim Faye, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur d'abord le concept, mais également aussi son évolution? Merci Monsieur Faye pour la précision. En fait, à entendre Monsieur Faye définir le marketing, on pourrait croire que seules les entreprises commerciales pratique du marketing. C'est juste pour compléter. C'est vrai que notre thème parle des entreprises, mais il faut aussi que les gens sachent que ce ne sont pas les organisations commerciales seulement qui font du marketing. Aujourd'hui, les organisations religieuses pratiquent du marketing. Les partis politiques en font trop, même dans notre pays. Comment alors peut-on définir le marketing comme une discipline qui parle seulement des clients ou bien qui cherche à satisfaire le client? En politique, est-ce qu'il y a réellement un client? En religion, est-ce qu'il y a un client? Si nous définissons le client comme toute personne qui, contre paiement, a acquis un ou plusieurs produits ou bénéficié d'un ou de plusieurs services auprès d'un ou de plusieurs producteurs ou de plusieurs distributeurs, là, ces organisations qui ne sont pas dans le secteur marchand ne peuvent pas s'identifier, ne peuvent pas se voir dans le marketing. Il y a lieu alors d'avoir une définition qui est plus large et on peut définir la discipline comme étant un ensemble de méthodes et de moyens dont disposent ces organisations. Lorsque j'ai dit organisation, il y a les partis politiques, les religieux, les entreprises, les philanthropes, les entreprises, un ensemble de techniques et de moyens qui permettent aux organisations de promouvoir au sein des publics auxquels elles s'intéressent, des comportements qui leur permettent de satisfaire tout simplement leurs objectifs. Je rappelle en passant qu'en français pur et dur, on ne dit pas marketing, on dit mercatique. Et comme le dit, comme l'a dit le professeur, la discipline a évolué en 4 voire 5 phases. Donc il a parlé de l'optique production. D'une optique production, on est passé à une optique produit, puis à une optique vente, à une optique marketing. Et dans l'optique marketing, on cherche à satisfaire le client. Comme il a dit, le marketing commence par le client et se termine par le client. Là, je suis maintenant carrément dans le marketing marchand. J'ai laissé tout ce qui est politique et religieux, c'était juste pour définir. En marketing, tout commence par le client et tout se termine par le client. Comment maintenant cette discipline même, cette optique marketing a évolué? Aujourd'hui, je peux dire, lorsque je fabrique un produit correspondant aux besoins des consommateurs, étant donné que j'ai fait l'étude au préalable, j'ai fait du marketing. Mais c'est très insuffisant aujourd'hui. Fabriquer un produit correspondant aux besoins des consommateurs, c'est trop simpliste. Faites tout ce que vous voulez. Essayez d'avoir le meilleur produit sur le marché. J'entends par meilleur produit un produit correspondant aux attentes des consommateurs. Et payez, ne payez pas votre personnel. Ne payez pas vos fournisseurs. Ne respectez pas vos engagements vis-à-vis des banques, vis-à-vis des établissements financiers. Là, je me dis que vous ne faites plus du marketing. Il y a satisfaire le consommateur, mais il y a d'autres partenaires qui ne sont pas contents du tout et qui peuvent dire beaucoup de mal de vous
Okay. C'est la raison pour laquelle le marketing est passé d'un marketing simple à ce qu'on appelle un marketing holiste. Okay. Et ce marketing holiste-là est socialement responsable. Aujourd'hui, on parle de RSE et tout. Oui. Socialement responsable, orienté vers la performance, parce que toutes les actions que nous souhaitons mener, que nous menons, on va y revenir tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir une performance financière de notre entreprise. C'est également un marketing qui est relationnel. On doit avoir de bonnes relations avec les fournisseurs, avec les clients, avec les banques, avec les médias, avec les établissements financiers. Donc, on passe d'une gestion de la relation client à une gestion de la relation avec les partenaires. Okay. Ce marketing est orienté vers la performance, je disais. Il est également omniprésent en interne. Tout le monde doit faire du marketing dans l'entreprise parce que c'est le seul droit qui existe. Si le client n'est pas satisfait, il part ailleurs, c'est lui qui paye non salaire. Donc tout le monde doit savoir qu'il y a un seul boss dans l'entreprise et c'est le client. Donc, voilà comment le marketing a évolué, ma définition du marketing. Et là, Michel Aibamba, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de développer, vous avez beaucoup insisté sur la notion de client. Aujourd'hui, par exemple, le parti politique peut considérer son militant comme le client. L'étudiant peut-être qui cherche un stage peut considérer même l'entreprise comme étant son client. Déjà, la notion de client en tant que tel, je pense que c'est assez vaste apparemment dans la notion de marketing. Bon, je dirais que ce sont des publics cibles. Okay. L'entreprise peut parler de client parce que je paye. Mais un parti politique, on ne peut pas parler de clients, on peut peut-être parler de public cible. En religion, on peut parler également de public cible. Voilà, donc, ce que le marketing cherche à faire, c'est de satisfaire les besoins de ces publics cibles-là, mais également de satisfaire les besoins de l'organisation, qui peut être, comme il l'a dit le professeur, une entreprise ou bien un parti politique, donc une organisation de façon plus générale. Parfaitement. Oui, je ne sais pas si M. Abou Karim a quelque chose à ajouter par rapport un peu au développement de M. Lajan. Je crois que M. Sek a parfaitement raison en disant que le marketing, c'est une discipline qui n'est pas que appliquée dans le domaine commercial. Le marketing, c'est un état d'esprit. Ça se pratique tous les jours. À la maison, nous faisons du marketing. Dans la rue, le vendeur de fruits fait du marketing, même s'il n'en est pas très conscient. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que le marketing, en tant que discipline, n'a pas toujours existé. Le marketing a emprunté des outils aux autres sciences. Ce qui fait que dans le marketing, on trouvera de la psychologie. Dans le marketing, on trouvera de la sociologie. Dans le marketing, on trouve beaucoup d'autres aspects. C'est une discipline transversale. Transversale. Et c'est cette transversalité qui a fait très vite que le concept a évolué pour toucher d'autres domaines dans lesquels la recherche d'une rentabilité financière n'est pas le but principal. Je peux citer, comme il l'a dit, dans le domaine politique. Aujourd'hui, l'homme politique devient un produit, entre guillemets, qu'il faut vendre. Ainsi, il doit développer une image et tenir un discours crédible et cohérent envers son électorat qui constitue, comme il le dit, sa cible. Dans un autre langage, ses clients. Même si la notion de client, comme il l'a dit, peut ne pas être très appropriée dans d'autres domaines, dans le domaine social. Aujourd'hui, on parle de marketing social. Moi-même, je suis spécialiste du marketing et j'ai fait une thèse dans le domaine du marketing social. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui se disent, mais on a tellement de problèmes à résoudre qu'on n'y arrive pas. Or, à côté, vous avez une discipline qui s'appelle le marketing, qui a réussi jusqu'à maintenant à nous faire acheter des produits que nous pensions pas avoir besoin. Et si cela marche dans le domaine du commercial, pourquoi ça ne marcherait pas dans le domaine social? Et ainsi, on est parti chercher le marketing aujourd'hui pour lutter contre une maladie comme le sida. On part chercher le marketing. Ce sont les outils du marketing qui sont appliqués dans le domaine social pour promouvoir des comportements conformes à ce qui est attendu pour lutter contre cette maladie. Dans d'autres domaines, aujourd'hui, vous avez les ONG, Médecins sans frontières, Médecins du monde. S'ils veulent lever des fonds, ils utilisent des stratégies de
communication conforme à ce qui se fait et ce qui est édicté par le marketing pour pouvoir réussir. À vous suivre, je vois que donc c'est une discipline vraiment très très vaste. Hein? Je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans le développement des différents points, n'est-ce pas, du thème. Maintenant, à chaque fois qu'on parle de marketing, on évoque souvent les questions liées aux études de marché. Juste pour dire qu'aujourd'hui, si on doit investir un marché, il faut une bonne connaissance de ce marché-là, n'est-ce pas? Quelle est vraiment la place des études de marché, la place en tout cas de la connaissance du marché dans le marketing, M. Laïbambassé? Merci, M. Gueye. On ne peut rien faire en marketing si on ne connaît pas le marché. Parce qu'un produit est destiné à un marché. Et pour connaître un marché, on doit procéder à des études de marché. Qu'est-ce qu'une étude de marché? C'est tout simplement des techniques, des méthodes qu'on utilise afin d'avoir des informations sur le marché. Et ces informations-là doivent nous aider à prendre une décision. Okay. Si on a une information qui ne permet pas de prendre la bonne décision, là vraiment on ne fait pas une étude de marché. Okay. Celui qui étudie le marché recherche le plus souvent 8 types d'informations. Okay. Nous avons des informations secondaires, des informations primaires. L'information secondaire sont des rapports, par exemple, qu'on peut aller consulter. Si les informations que ces rapports contiennent sont toujours valables, on peut les utiliser. Si l'information secondaire n'est pas bonne et obsolète, on peut rechercher l'information nous-mêmes en allant interroger le consommateur en face à face ou bien au téléphone. Là, l'information, c'est nous qui la créons, elle est une information primaire. D'autres informations, nous avons les informations internes et les informations externes. Certaines informations sont disponibles dans notre structure. Ici, dans votre télévision, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Les clients, par exemple, qui n'ont pas payé et qui ont fait de la publicité. Cette information-là est en interne. À opposer aux informations externes, qui sont en dehors de la structure, à la direction de la statistique, aux différents ministères du pays. Au type d'informations, nous avons les informations qualitatives et les informations quantitatives. Qu'est-ce qui les différencie? L'information quantitative mesure le budget que dépense M. Ndiaye en eau minérale. L'information qualitative, ce qui pousse même M. Ndiaye à consommer l'eau minérale à la place de l'eau gazeuse. Nous avons enfin les informations permanentes et les informations ponctuelles. L'information ponctuelle est valable à une date donnée, l'heure qu'il fait par exemple, le climat qu'il fait, alors que l'information permanente est constamment mise à jour et nous en marketing on utilise des outils tels que les baromètres et les panels. Donc l'étude de marché sont des techniques qui nous permettent de rechercher ces informations là afin de prendre une bonne décision. Est-ce qu'on doit lancer le produit ou non? Est-ce qu'on doit modifier la campagne de communication? Est-ce qu'on doit communiquer sur Mourchid TV ou bien sur une autre télévision? Est-ce qu'on doit arrêter une campagne de mailing? Est-ce qu'on doit lancer une campagne de marketing viral? Les informations qui nous permettent de répondre à ces questions-là, les outils, les techniques qui nous permettent de les avoir, c'est ça qu'on appelle des études de marché. Et l'étude de marché, avant de lancer un nouveau produit, j'ai besoin de faire une étude de marché. Avant de lancer une campagne de communication, même chose. Avant de modifier le packaging, d'augmenter le prix ou de le baisser, j'ai besoin de faire des études de marché. Mais les informations dont nous avons besoin avant d'ouvrir un point de vente, par exemple, ne sont pas de même nature que celles dont nous avons besoin avant de modifier le design ou bien la promesse d'une campagne électorale. Ces outils-là, quel que soit, je vais dire, le type d'étude de marché à mener, il faut savoir que l'étude de marché n'est complète que lorsqu'elle comporte 4 points. L'étude de l'environnement, l'étude des consommateurs, l'étude de la concurrence et l'étude de la distribution. Si ces 4 points n'y figurent pas, on ne peut pas considérer que l'étude de marché est complète. Important, M. Laïbambassek. Merci. Oui, M. Abdoukarim Faye, à la suite de Laïbambassek sur l'étude de marché, mais également aussi son importance dans la définition d'une politique commerciale d'une entreprise. Merci beaucoup, M. Gueye. Je pense que mon collègue a parfaitement raison et a mis l'accent surtout sur les techniques utilisées en entreprise pour étudier le marché. Avant de revenir tout ça, je voudrais dire l'importance de l'étude de marché dans la vie d'une entreprise. L'image que j'ai l'habitude de prendre, c'est un aveugle, excusez-moi du terme, qui vient devant une piscine.
et qui veut se baigner, doit-il directement se plonger dans la piscine ou doit-il d'abord regarder avec la main ou le pied si la piscine est déjà remplie d'eau? Voilà le risque, si je puis le caricaturer ainsi, qu'une entreprise prendrait en allant directement dans le marché sans au préalable l'étudier. On a l'habitude de dire que qui détient l'information détient le pouvoir. Or, l'information ne se trouve pas au sein de l'entreprise, mais ça se trouve en dehors de l'entreprise. L'entreprise cherche de la valeur, c'est-à-dire de l'argent. L'argent que l'entreprise cherche ne se trouve pas au sein de l'entreprise, ça se trouve chez les clients. Et cet argent ne peut être soutiré aux clients que lorsqu'on comprend quelles sont les motivations du client à sortir de l'argent. Voilà ce qui donne quintessence aux études de marché. Pour revenir maintenant sur l'étude de marché, je crois qu'il a parfaitement campé. L'étude de marché, de façon simple, c'est une recherche, une collecte d'informations et un traitement de cette information pour aider un responsable marketing à prendre des décisions. La finalité d'une étude de marché, c'est d'aider quelqu'un, un manager, à prendre des informations. Quand vous avez la responsabilité de diriger une entreprise, de conduire un projet aussi ambitieux qu'un produit dans un marché qui engage l'entreprise, non seulement à long terme, mais sur beaucoup d'argent, il ne faudrait pas que les décisions que nous prenions soient prises à la légère. Ces décisions doivent s'appuyer sur une quantité d'informations crédibles sur le marché qui feront ces informations que notre décision sera juste. Une décision juste, c'est une décision qui a un impact sur le comportement du consommateur. Alors, toutes les techniques évoquées ici, exactement, c'est comme ça qu'une étude de marché se déroule. Et peut-être l'autre aspect qu'il faut dire, c'est l'état de la pratique dans nos entreprises en Afrique et au Sénégal particulièrement. Si nous regardons aujourd'hui l'état de la pratique marketing dans les entreprises, on se rend compte que le parent pauvre de la pratique, ce sont les études de marché. Aujourd'hui, nos entreprises semblent manquer de compétences en études et recherches, ce qui justifie de gauche à droite, vous avez des cabinets aujourd'hui ou des prestataires individuels qui proposent leurs services aux entreprises parce que les études de marché ne nécessitent pas ou nécessitent autre compétence que marketing. Pour faire une étude de marché, vous avez besoin des compétences en statistique, par exemple. Pour faire une étude de marché, vous avez besoin de compétences en analyse de données. Vous avez besoin de compétences en informatique. Vous avez besoin de compétences managériales. Et ça, les gens ne l'ont pas souvent, ou les entreprises ne prennent pas la peine de chercher les bonnes personnes qui ont ça. Hormis ces éléments que je viens de citer, l'autre élément qui fait qu'en général, les études de marché ne sont pas très développées, c'est le coût qu'engendrent les études de marché. Une étude de marché coûte cher, très cher. Et donc, en général, les petites entreprises qui n'ont pas trop de moyens ne s'adonnent pas à ces études pour soutenir leurs actions. Dernier élément, enfin, qui fait que les études de marché ne sont pas très développées, c'est la culture des dirigeants. Aujourd'hui, le dirigeant sénégalais, il y a un paradoxe dans les entreprises sénégalaises. Aujourd'hui, les gens qui réussissent mieux au Sénégal, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études très poussées. Et l'orientation, le profil du dirigeant joue beaucoup sur la façon dont l'entreprise est gérée. Et il y a beaucoup de dirigeants qui ne croient pas à l'efficacité immédiate d'une étude de marché sur les décisions qu'ils prennent. Parce que pour certains, ils ont tellement l'habitude de prendre des décisions et que peut-être par le fait du hasard, ça marche, que finalement, ils ne finissent plus par croire en ces études. Je vois. Je pense que on a quand même bien expliqué et la notion d'étude de marché. Juste pour faire comprendre à ceux qui nous suivent comment on fait, comment on réalise une étude de marché, juste la démarche, il faut d'abord commencer par définir le problème à résoudre. Quel est le problème qu'il y a lié de résoudre, quel est le problème auquel nous sommes confrontés. En fait, une fois qu'on définit qu'on a une idée claire du problème, il faut maintenant élaborer un plan d'étude. Si le plan d'étude est élaboré, il faut maintenant passer à la recherche de l'information, analyser l'information, élaborer le rapport définitif.
Et dans la partie pratique, deux méthodes sont, ou bien même trois, il y a les études secondaires, d'autres préfèrent des études qualitatives, d'autres encore des études primaires. D'accord. Dans la partie études primaires, vous avez le choix entre l'étude quali et l'étude quantitative. L'étude qualitative, on n'a pas besoin d'un échantillon représentatif. Okay. On se limite des fois à des entretiens individuels ou bien à des réunions de groupe. Mais la partie la plus compliquée, c'est peut-être un sondage. Et là, il y a lieu d'avoir... C'est vrai que j'étais... Voilà. Oui, tantôt, quand j'ai parlé de, un peu de, dans, je veux dire, d'études, j'avais à l'esprit de voir la notion de sondage. Oui. Ensuite, si on fait un recensement, on interroge toute la population. Ok. Nous voulons lancer un nouveau produit à Medina. Ok. Si nous faisons un recensement, nous sommes obligés d'interroger toute la population de la ville. Okay. Ça, c'est un recensement. Okay. Par contre, pour le sondage, on n'a pas besoin d'interroger tout le monde. C'est comme une maman qui prépare sa marmite de riz. Elle vient, elle prend quelques graines et goûte. Okay. L'information qu'elle a, après avoir goûté ces quelques graines, elle a même que l'information qu'elle a sur toute la marmite. Elle n'a pas besoin de bouffer toute la marmite pour nous dire que la marmite est bien cuite. Okay. Un sondage consiste à interroger un échantillon représentatif de la population mère. Okay. Donc voilà les différentes méthodes qui sont utilisées, recensement ou sondage. D'accord. Dans la pratique maintenant, il y aura lieu d'élaborer bien sûr un questionnaire, ensuite de l'administrer. Pour administrer le questionnaire, on peut le faire en face à face, on peut le faire par téléphone. Aujourd'hui également, on peut le faire par internet, ça ne coûte pas cher et c'est rapide, sauf que le taux de retour est encore très faible. Très faible, d'accord. On peut également se déplacer dans la rue et interroger les gens. Voilà, et chacune de ces méthodes-là a des avantages et des inconvénients. Des inconvénients, voilà. Important déjà. Autre chose aussi, c'est par rapport au coût, c'est vrai que ça coûte cher, comme l'a dit le professeur. Mais il y a quand même des alternatives. Aujourd'hui, les écoles de formation pilule, on peut recruter des stagiaires, les former pour qu'ils aillent sur le terrain collecter l'information pour nous. Nous avons également les blogs et les forums sur Internet également, où on peut suivre, voir qu'est-ce que les consommateurs pensent d'un produit. D'un produit, d'accord. Solution moins chère, moins coûteuse, si vous vendez un produit alimentaire, vous voulez lancer un nouveau produit, faire le tour des poubelles. Regardez ce qui se consomme le mieux, ne serait-ce que ça, étude de marché. Important déjà comme élément, oui, monsieur Payet. Voilà, juste pour compléter avant ça, de passer à l'autre point. Comme il l'a dit, c'est très important, l'alternative. Je pense qu'aujourd'hui, des praticiens comme lui, des professeurs comme nous sommes, à travers les enseignements que nous faisons, transmettons tant bien que mal les outils et les compétences nécessaires aux étudiants pour faire des études de marché. Moi-même, je suis dans un laboratoire à l'université d'entrepreneuriat, de marketing et de stratégie. Okay. Et nous nous activons beaucoup sur les études de marché. De marché. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui nous abordent sur la question. C'est ça. Et on est vraiment disposé à évoluer dans ce sens. Donc juste pour dire que donc il y a vraiment des alternatives pour quand même faire des études de marché à moindre coût. Il suffit juste de comprendre un peu en tout cas les stratégies qui peuvent vraiment être utilisées pour faire quand même de bonnes études de marché avant vraiment d'élaborer de bonnes politiques commerciales. Ce qui nous permet vraiment de passer à ce point, qui est un point essentiel. Mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs de Mourchi TV que l'émission Écodé reçoit aujourd'hui le docteur Abdou Karim Faye, n'est-ce pas, qui est docteur donc, en marketing et assistant donc, à la FASEC, et M. Lai Bambasek, consultant, formateur et spécialiste en marketing, pour discuter avec nous d'un thème important qui porte sur l'importance du marketing dans le développement de l'entreprise. Nous allons à présent maintenant aborder la politique commerciale, parce que là aussi, la notion de produit, parce qu'aujourd'hui nous avons une cible, nous avons des clients, maintenant nous leur proposons quelque chose. Maintenant, comment réfléchir maintenant sur ce que nous leur proposons? Je pense que c'est pas aussi simple, comme il l'a dit tout à l'heure. Je pense que nous avons besoin, d'une part de marché, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de marché. Ça veut dire que donc, il y a beaucoup de clients, de consommateurs, et nous avons également des produits à les proposer. Et ceci, maintenant, montre qu'il y a quand même un travail important à faire pour pouvoir, en tout cas, réussir, cette politique commerciale-là, pour pouvoir, en tout cas, vendre correctement ces produits-là dans le marché. Michel Lai Bambasek, pour élaborer une bonne politique commerciale pour une entreprise, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Okay. La démarche marketing, c'est trois étapes, c'est trois phases. C'est le marketing analytique qu'on vient de boucler d'ailleurs. Le marketing stratégique, phase importante que malheureusement
on n'a pas pu aborder, peut-être on y reviendra, c'est tout ce qui est segmentation, ciblage, positionnement. Là, il faut qu'on y retourne un peu. Et enfin, nous avons le marketing opérationnel qu'on appelle politique commerciale. Okay. Maintenant, si vous avez choisi votre cible, il faut leur proposer quelque chose. Parfait. Une offre. Et là, il y a lieu d'offrir un produit à un prix donné, de le distribuer et de communiquer sur ce produit-là. C'est ça qu'on appelle la politique commerciale de l'entreprise, les quatre variables d'action du marketing. D'accord. Les quatre variables d'action. Oui, M. Abdoukarim Faye, pour abonder dans le même sens, parce que ça aussi, c'est important. Parce que souvent, les gens parlent des quatre P, les politiques, en tout cas, qu'il faut pour distribuer un bon produit, pour en tout cas obtenir une bonne part de marché. Oui. Parfaitement. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le marketing, au-delà de tout ce qu'on a dit, si on devait le résumer par un seul mot, on dira que le marketing, c'est une démarche. Okay. Une démarche, comme il l'a dit, en trois étapes. Dans la première étape, c'est tout ce qui est recherche d'informations. Ensuite, on passe à une étape d'élaboration de la politique de l'entreprise. Et c'est là que l'entreprise s'assoit maintenant en fonction des informations issues des études de marché pour disséquer ses clients. Qui est disposé à acheter mon produit, qui ne l'est pas. Et ça, ça implique un produit pour ceux qui sont disposés à acheter mon produit. Quelle image mon produit doit présenter auprès de ces gens-là. C'est ça la deuxième phase qu'on appelle la phase de marketing stratégique. Et à l'issue de cette phase, l'entreprise met maintenant en œuvre la politique. Cette phase qu'on appelle phase de terrain est appelée souvent politique commerciale. La politique commerciale, c'est quoi? C'est toutes les décisions qui sont prises dans une entreprise par un responsable pour atteindre des objectifs en matière de vente ou de chiffre d'affaires notamment. Cette politique s'appuie principalement sur quatre variables qui sont dites les variables du mix. Dans les écoles, de façon académique, on dit 4P. 4P, pourquoi? Parce qu'en anglais, produit se dit product, prix est appelé price, la distribution appelé place, et enfin vous avez la communication qui est dite promotion. Et donc, on a les 4P de l'américain McCarthy, un spécialiste du marketing qui a abordé ces questions. Aujourd'hui, nos amis professionnels, le SEC, nous ajoutent même d'autres P. On parle aujourd'hui de 8P, peut-être qu'il reviendra sur ça pour développer cet aspect. Alors, chacun de ces éléments joue un rôle indispensable dans le succès d'une entreprise. Mais le succès n'est assuré que lorsque ces quatre éléments sont en cohérence. C'est pour ça qu'on parle de mix. On parle de marketing mix. Mix dans le sens d'assurer un certain équilibre entre ces quatre éléments. Quand vous avez le produit le meilleur au monde et que la stratégie de tarification ou de prix ne suit pas, le produit est voué à l'échec. Quand vous avez le meilleur produit au monde qui n'est pas distribué au bon endroit, le produit ne va pas aboutir. Quand vous avez le meilleur produit au monde qui ne fait pas l'objet d'une communication appropriée auprès des clients, le client ne va pas acheter ce produit. Surtout le volet de distribution aussi, on voit que souvent ça pose un grand problème aux entreprises. Ça pose... Les gens peuvent avoir des produits, de bons produits, mais souvent, comment ça pose, ça pose d'autant plus problème qu'aujourd'hui la distribution a tendance à être externalisée. C'est une, la distribution constitue à elle seule un métier à part. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne distribuent pas elles-mêmes les produits qu'elles fabriquent. Parce que ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de moyens. Et l'entreprise a déjà fort à faire avec la création d'un produit que consommateurs que nous sommes, nous voyons que le produit fini, prêt à être acheté. Mais le produit n'est pas simple. Le produit, c'est des réflexions. Pour créer un produit, il faut d'abord avoir des idées. C'est fini l'époque où l'entreprise se levait et réfléchissait à la place du client pour dire voici le produit. Parce qu'à l'époque, quel que soit le type de produit, le client était preneur parce qu'il n'avait pas le choix. Aujourd'hui, la concurrence est mondiale. Les gens se rivalisent dans l'innovation. L'offre est supérieure à la demande. L'offre est supérieure, mais surtout en termes de technicité. Aujourd'hui, tout produit que vous créez aujourd'hui qui semble être parfaitement adapté à ce que veut le client, demain, un concurrent vous supplante.
L'exemple le plus patent aujourd'hui qu'on peut prendre, c'est l'exemple des appareils téléphoniques. Il y a 5 ans ou 10 ans derrière, il y avait une marque qui était là, qui était connue, qui faisait des téléphones portables simples. Les gens, sur un attribut solidité, disaient que c'était la meilleure marque. Puis on est passé à l'ère des smartphones. Plus personne ne parle de ces téléphones simples qui ne font qu'émettre et recevoir des appels. Parfaitement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le succès d'une entreprise repose également sur ces quatre éléments. Le produit, le produit, c'est le lien entre l'entreprise et le client. D'accord. On en voit que la partie finie, mais il a fallu pour l'entreprise des jours et des jours de réflexion, d'élimination, de tests avant que le produit ne soit présenté au consommateur. Parfaitement. Important, M. Abdou Karim Faye. Oui, M. Laibambassé, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur ça et surtout aussi insister quand même sur la notion de consommateur. Parce que là aussi, c'est important. Parce qu'on voit que de plus en plus, c'est le comportement des consommateurs. Je pense que d'une époque à une autre, ça change, ça évolue. Ils deviennent plus exigeants. Est-ce qu'est-ce que cela fait comme travail, comme réflexion pour l'entreprise qui veut vraiment acquérir une part de marché? Mais juste pour revenir un peu sur les variables mix, pour compléter par rapport à ce que le professeur a dit, juste pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas le concept de produit, en fait, toute offre sur un marché est un produit. Okay. Toute offre. Que l'offre soit matérielle, immatérielle, vendu ou non, c'est un produit. D'accord. Les biens, les services, les idées, les administrations, l'information, les personnes même, comme il a dit à l'entame de l'émission, nous avons même les endroits. Aujourd'hui, on peut vendre la destination Sénégal. D'accord. Un endroit, la destination Petite Côte peut se vendre, la destination Cap Sekiring. Même des événements peuvent faire l'objet. On a assisté récemment aux Jeux Olympiques, ça. Absolument. Donc voilà les différents produits que nous avons. Parfait. Des quelques détails par rapport à ceux qui nous suivent. En fait, le marketing est une discipline qui est très, très, très intelligente. Le marketing s'est dit que celui qui fait les meilleurs produits, c'est Dieu. Je copie Dieu. Les êtres humains ont une vie. Le marketing dit, mes produits ont une vie, ce qu'on appelle le cycle de vie du produit, avec les différentes phases. Comme nous, êtres humains, les produits naissent, grandissent, atteignent une maturité et meurent. D'accord. Les êtres humains ont des noms. Moi, je crée des marques. D'accord. Chaque produit a sa marque. D'accord. Les êtres humains portent des habits. Moi, je crée un packaging. D'accord. Les êtres humains ont des pièces d'identité. Moi, je crée l'étiquette. Les êtres humains ont des familles. Le marketing dit il faut une gamme. M. Gay et M. Sec n'ont pas les mêmes formes. Le marketing dit je crée le design. Donc voilà les différentes composantes de la politique de produit. Maintenant, si vous avez un produit, le produit est destiné au consommateur. Et le consommateur, comme vous l'avez dit, a toujours son mot à dire. Et nous, ce que nous recherchons, une fois que le produit est sur le marché, c'est de satisfaire au maximum les besoins du consommateur. Et dès le lancement, dès que le produit est lancé, on va procéder à des tests pour nous assurer que le produit correspond effectivement aux attentes des consommateurs. On remet le produit au consommateur, on fait des tests. On lui remet le consommateur, on lui remet le produit, il l'utilise, on revient maintenant pour recueillir ces informations. Et là, nous utilisons plusieurs techniques, toujours dans les études de marché pour tester les produits. Nous avons ce qu'on appelle les blind tests et les brandy tests. Dans un blind test, le consommateur teste le produit sans le connaître. Alors que dans le brandy test, le consommateur est conscient qu'il est en train de tester tel produit. Mais des fois, la présence de la marque peut gâcher l'information qu'on veut recueillir du fait de l'image positive ou négative que le consommateur a du produit. Nous avons également ce qu'on appelle les tests moralistes. Il y a souvent des préjugés sur des produits. C'est ça, tout à fait. Nous avons également les tests comparatifs et les tests monadiques. On vous donne deux produits, vous comparez, vous testez ce produit, vous testez le concurrent. Alors qu'en test monadique, c'est un seul produit qui est testé. D'accord. Nous avons également les tests en laboratoire et les tests à domicile. Par exemple, pour tester un savon, le consommateur a besoin d'aller chez lui pour le tester sur une longue durée. Nous avons enfin, ce qu'on appelle les tests spontanés et les tests prolongés. Voilà les différents types de tests que nous faisons auprès des consommateurs pour nous assurer que ces produits-là correspondent aux besoins des consommateurs avant de passer à un lancement à grande échelle. La deuxième variable, c'est la variable prix. Le prix, c'est tout simplement le sacrifice financier que le consommateur fait. Et pour fixer
un prix, là, le manager va suivre une démarche. Et la démarche, on la résume le plus souvent en 7 étapes. Il faut d'abord définir l'objectif assigné au prix. Une fois l'objectif défini, vous allez étudier le consommateur parce que c'est lui qui va payer. Si le consommateur donne son avis sur le prix, si on connaît sa sensibilité au prix, l'élasticité de la demande, on revient en interne maintenant pour voir nos coûts, comparer le coût de fabrication au prix que le consommateur est prêt à payer. Effectivement. Mais nous ne sommes pas, ou bien il arrive rarement qu'une entreprise soit seule sur le marché. Elle a des concurrents. Elle doit maintenant ressortir de l'entreprise pour aller voir ce qui se fait au niveau de la concurrence. Pour connaître les prix des concurrents, il suffit tout simplement de faire le tour des points de vente, de faire un relevé de prix. Ou bien de passer chez le client, chez le concurrent comme un client pour l'interroger. Nous avons l'étape suivante. Ensuite, maintenant, vous revenez en interne pour décider de la stratégie de prix. Il va y revenir tout à l'heure, les différentes stratégies possibles en matière de prix. Et enfin, on détermine la méthode de tarification et on détermine le prix définitif hors taxes, hors douane, TDC, etc. Donc voilà, pour ce qui est de la politique de prix, les différentes méthodes, la démarche qu'on utilise, je veux dire, pour fixer ce prix-là. Pour la distribution, donc vous êtes un spécialiste de la logistique. En fait, je ne vais pas revenir sur l'aspect logistique de la distribution parce qu'aujourd'hui, le consommateur ne voit que le côté logistique de la distribution et c'est malheureux. Aujourd'hui, la distribution a un rôle économique. La distribution a un rôle marketing, la distribution a des fonctions de service. Rien que le fait de vous déplacer chez un concessionnaire automobile et de demander des informations sur une marque, ça c'est un service que le concessionnaire vous rend. Le concessionnaire, sachant que le produit que vous désirez n'est pas disponible au Sénégal, va en informer sa maison mère. Ça, c'est un deuxième service qu'on vous rend. Le fait qu'un distributeur comme Casino expose dans son point de vente des millions de produits. Là, c'est un service qu'on nous rend parce que n'eût été ce travail-là, on allait faire N point de vente pour avoir le produit. C'est ça. Sans compter les services comme la livraison, l'installation, la formation que ces différents distributeurs assurent. En plus de cela, tout ce que vous dites en matière de logistique, donc voilà les fonctions de la distribution. Donc voilà un peu C'est important, voilà, c'est important, Laïban. Moi, je pense que c'est très bien développé. Je pense que nous allons maintenant aborder la dernière partie de l'émission, en tout cas, qui sera axée maintenant à la communication. Je pense que aussi c'est très important parce que de plus en plus les gens allient le marketing à la communication. Monsieur Abdou Karim, docteur Abdou Karim Faye, réellement la place de la communication dans le marketing. Alors, c'est exact ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, quand vous demandez à un citoyen lambda c'est quoi le marketing, il va vous dire c'est de la publicité. Ou alors c'est une action de vendre. Là, on est dans les aspects les plus visibles du marketing. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la communication représente un élément fondamental dans le dispositif commercial d'une entreprise. Et aidant en cela, certainement, par l'avènement des technologies. Aujourd'hui, on a... c'est pas comme autrefois, communiquer était difficile. Il fallait se déplacer, aller trouver les clients, chacun chez lui, vouloir lui parler. Ça prenait et du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, en un seul clic, vous pouvez communiquer avec des millions et des millions de personnes. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à travers ce que fait le marketing dans la communication, les gens semblent être inondés par la communication et finissent par l'assimiler au marketing. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs quand nous regardons aujourd'hui l'environnement communicationnel au Sénégal, à travers la communication, à travers l'élément le plus dynamique, la publicité. La publicité, c'est une communication qui est faite à travers les moyens de la technologie, de l'information et de la communication. Je veux parler de la télévision, je veux parler de la radio, je veux parler de l'internet, je veux parler de l'affichage, etc. Aujourd'hui, au Sénégal, à l'espace de quelques années, la facture publicitaire arrivé aujourd'hui à des vingtaines de milliards. Ce qui justifie aujourd'hui, vous avez plus de centaines d'agences et de régies de communication. Et c'est ce qui pose d'ailleurs un autre problème, c'est-à-dire le problème de la réglementation du secteur. Vous avez l'État du Sénégal qui a mis en place la CNRA pour réglementer le secteur, mais la CNRA est limitée dans ses actions par même la loi qui le crée, parce que la CNRA se limite à la réglementation dans le domaine de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui sont là, comme l'affichage.
affichage, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des publicités qui ont fait débat ici au Sénégal, notamment sur la dépigmentation. Effectivement. Les gens se sont levés pour... Et même les régies ont eu des problèmes avec des, à certaines collectivités locales. Absolument. Sur l'occupation, voilà. Absolument, parce que, ouais. Absolument, parce qu'aujourd'hui, l'affichage est un enjeu. Aujourd'hui, les gens... n'ont plus le temps de rester chez eux, suivre la télé, écouter la radio. Ils doivent pouvoir s'informer en courant. C'est le sportif qui va à la plage doit voir l'information qu'il a besoin sur la banderole et continuer son chemin. La dame qui va au marché doit pouvoir rencontrer sur le chemin. Celui qui part en voyage doit voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'affichage constitue un enjeu majeur. Et pour les collectivités qui cherchent des fonds, ils souhaiteraient également en bénéficier grâce à une taxe, ce que refusent toujours de payer les régies. Les régies. Ça constitue un problème. Un autre élément également, c'est l'Internet. Oui. On a vu la puissance de l'Internet aujourd'hui. Il y a des centaines de sites aujourd'hui qui sont créés rien que pour diffuser des produits. Et ça, ça constitue, à mon avis, un autre volet qui pose problème dans le domaine de la pratique, du marketing. Merci, je pense, M. Abdoukarim Faye. M. Lai Bambasek, à la suite de M. Dr. Abdoukarim Faye, là, sur la communication, qu'est-ce que vous pouvez concrètement ajouter? Donc, disons, le lien entre la communication et le marketing. En fait, la communication fait partie des outils, des outils d'action du marketing. Et il existe plusieurs formes de communication. On peut classer la communication, les communications selon les moyens utilisés. On distinguera dans ce cas la communication média, la communication hors média. La communication média, c'est la communication qui se fait dans les différents médias qu'il a cité tout à l'heure. Nous avons la communication interne, la communication externe. Nous avons également la communication de marque et la communication d'entreprise. La communication de marque vise à faire connaître un produit, une marque, alors que la communication d'entreprise, c'est surtout sur les valeurs de l'entreprise. On l'appelle également la communication institutionnelle et communication corporelle. Donc, pour revenir un peu aux médias, il y a ce qu'on appelle le « earned media », le on-in média et le paid média. Le paid média, je prends un spot que je veux diffuser dans votre télévision. Ça, c'est une communication que je paye. Nous avons le on-in média. J'organise une campagne de relations presse. Les journalistes viennent. Là, je le gagne. Parce que les articles qui seront écrits ou bien les secondes de télévision que je gagnerai ne seront pas payés. Nous avons enfin ce qu'on appelle la communication. Le on-in média. Nous avons nos propres médias. Nous, aujourd'hui, les entreprises ont des médias comme vous. Aujourd'hui, sur Internet, chacun est libre de créer sa page sur un réseau social ou bien de créer son site Internet. Là, cette communication-là, ce qu'on appelle le on-in, le on-in média, c'est notre propre communication. Mais il faut également qu'on soit conscient que les consommateurs dont vous parliez tout à l'heure ont la possibilité de communiquer sur nos entreprises. Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait d'un produit. Je prends mon smartphone, mon ordinateur et je le dis à toute la planète. Il suffit que je le poste sur Twitter ou sur Facebook, que quelqu'un qui est en Corée, qui est en France, et soit au courant de ce que j'ai dit. Je ne suis pas satisfait de la pâtisserie X. Je le dis et c'est connu de toute la planète en un temps record. Donc il faut savoir aujourd'hui que le consommateur également, l'entreprise n'a pas le monopole de la communication sur ses produits aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout consommateur, même le concurrent, peut communiquer sur vous. Un peu pour aider les téléspectateurs à savoir comment on détermine le budget de communication, parce qu'on a beaucoup de certains praticiens ont beaucoup de difficultés pour déterminer le budget de communication. En fait, c'est très simple. On peut se baser sur les moyens disponibles. J'ai un million, je l'utilise comme budget de communication. On peut également utiliser un pourcentage du chiffre d'affaires. Je viens de boucler un exercice, j'ai un chiffre d'affaires de tant de milliards. Je prends un pourcentage fixe ou variable de ce chiffre d'affaires. Cette technique est simple, mais il y a un inconvénient parce qu'à chaque fois que le chiffre d'affaires baisse, le budget va baisser. Alors que c'est lorsque le chiffre d'affaires baisse qu'on doit augmenter le budget de communication. On peut également se baser sur le budget de la concurrence. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui évoluent dans la communication, les sociétés de pige, qui peuvent vous donner à une erreur, à une marge d'erreur près, les budgets de communication qui sont utilisés par les différentes marques. Connaissant le budget de communication de mes deux concurrents, je peux fixer un budget supérieur, égal ou inférieur selon mes objectifs. On peut également réviser le budget des années antérieures. Nous sommes fin 2016. Je vois par exemple que la rubrique radio n'a pas apporté beaucoup de choses. Je la supprime pour l'année prochaine. Je la remplace par
au notre poste. Mm-hmm. Donc voilà comment on détermine le budget de communication. Merci. Merci Laïba. Moi, je pense que c'est vraiment bien dit. Oui, docteur Abdou Karim Faye, pour terminer, juste un petit complément par rapport en fait à la communication. Oui, je voudrais compléter surtout dans la politique commerciale. Mm-hmm. Il a abordé la question de la communication. Mm-hmm. Il y a un aspect qui me semble important dans lequel on l'a abordé, mais de façon sommaire, mm-hmm. c'est sur la question des prix. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez évoqué la notion de consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, mm-hmm. le consommateur occupe une place centrale d'accord. dans l'activité de l'entreprise. Okay. Et l'histoire du consommateur comme un élément déterminant est parti aux États-Unis. Okay. Avec un consommateur qui s'appelait Ralph Nader mm-hmm. et qui a créé la première association mm-hmm. De consommateurs. Okay. Et depuis lors, ça a fait tache d'huile. Les consommateurs commencent mm-hmm. à se défendre, à défendre leurs intérêts vis-à-vis mm-hmm. des attaques incessantes des entreprises. Au Sénégal, on a quelques associations, notamment mm-hmm. Ascosen de Mamar Ndaw. Vous avez l'association SOS Consommation de Massohna Kane, Jean-Marc Tchadien, mm-hmm. qui se débattent tant bien que mal mm-hmm. pour défendre les intérêts des consommateurs. D'accord. Et aujourd'hui, quand le consommateur se lève pour faire face à l'entreprise, le premier élément en général sur lequel il a tendance à contester, mm-hmm. c'est le prix. D'accord. Le consommateur a l'impression que l'entreprise lui dicte mm-hmm. un prix alors que lui il a son mot à dire. D'accord. Et ça nous permet de mm-hmm. préciser pour les téléspectateurs qui nous suivent mm-hmm. comment le prix est souvent déterminé en entreprise. Okay. Alors mon collègue l'a brossé tout à l'heure, l'entreprise a le choix entre partir de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique pour déterminer l'ensemble de ses charges, de ses coûts mm-hmm. et plus fixer une marge. Okay. J'ai dépensé 100 francs mm-hmm. pour fabriquer mon produit, je veux une marge de 25%, le produit sera vendu à 125. D'accord. Mais le plus souvent, cette méthode est contrariée, comme il l'a dit, mmh. par le concurrent. D'accord. Aujourd'hui, l'entreprise ne fait plus les choses comme elle le sent, mmh. ou comme la comptabilité le dicte, mais elle le fait en fonction de ce que la concurrence exige. Okay. Parfois, on n'a pas intérêt mm-hmm. à appliquer un prix qui s'éloigne trop de ce que fait la concurrence. D'accord. Sinon, si la concurrence réagit, ça peut être terrible pour l'entreprise. D'accord. L'entreprise peut également mm-hmm. partir d'une approche client. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les prix d'acceptabilité ou les prix psychologiques qui consistent à demander aux clients des fourchettes de prix. D'accord. Et partir de ça, faire quelques manipulations pour arriver à un prix qu'on appelle le prix psychologique. Un prix qui vous permettrait, dans des prévisions, d'obtenir mm-hmm. le plus gros nombre de clients possible. Okay. Mais pas forcément l'inconvénient. Là aussi, il y a un inconvénient. Mm-hmm. L'inconvénient, c'est que vous pouvez avoir le plus gros nombre de clients, mais vous n'avez pas mm-hmm. le plus gros chiffre d'affaires. Okay. Parce que peut-être l'ensemble des clients que vous avez ne sont que des clients qui achètent très peu. Okay. Et pour finir sur la question du prix, il faut aussi préciser qu'il y a trois niveaux de stratégie de prix. Mm-hmm. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie de prix d'écrémage. D'accord. C'est une entreprise qui arrive sur le marché et qui décide d'appliquer un prix au-dessus de ce que fait d'accord. ses concurrents en général sur le marché. D'accord. L'entreprise a la possibilité d'appliquer une stratégie de prix de pénétration. D'accord. C'est-à-dire appliquer un prix en dessous de celui de ses concurrents ou du marché. D'accord. L'entreprise peut également faire une stratégie de prix d'alignement. D'accord. Appliquer un prix sensiblement égal ou égal à ce que fait la concurrence. D'accord. Mais pour couronner le tout, l'entreprise peut être dans une stratégie de modulation des prix. Parce qu'en fonction du produit, le prix peut varier ou la stratégie peut varier. Il y a des produits, par exemple, qui dépendent fortement des saisons, d'accord. des produits saisonniers. D'accord. Et dans ce cas, quand nous sommes en période de haute saison, en général, c'est la stratégie d'écrémage qui est appliquée. On élève les prix. Et d'accord. quand nous sommes en période de basse saison, mmh. on descend les prix. C'est ce qui se passe dans les compagnies aériennes, par d'accord. exemple. Pendant les vacances, tout le monde veut voyager, les prix augmentent, etc. Ça. Et dans les hôtels. Je vois. C'est important, M. Abdou Karim Faye, hein, à la suite de M. Laïba Mbassek. Je pense que autant de questions ont été développées. On avait prévu de toucher à quelques autres points, mais malheureusement, le temps qui nous était imparti est largement terminé. Juste vous donner à chacun de vous, en tout cas, le soin de dire son dernier mot, Laïba Mbassek. Merci beaucoup. Je remercie la télévision d'avoir accordé
une heure à une discipline aussi importante, une discipline que j'aime bien, qui est le marketing. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour approfondir sur le volet communication, parce qu'on n'a pas touché aux outils modernes de la communication, on n'a pas touché au marketing viral, on n'a pas touché au buzz marketing, on n'a pas touché au marketing interactif, on n'a pas touché au marchandisage, à d'autres techniques comme la vente. Peut-être on aura d'autres occasions. Bien sûr, nous aurons l'occasion, si d'autres numéros en tout cas de revenir. À d'autres questions. Le plaisir de partager le plateau. Le plaisir est partagé. Oui, M. Abdoukarim Faye. Je voudrais, pour finir cette émission, vous remercier encore une fois de cet honneur, me réjouir du fait de partager ce plateau avec M. Seck. On ne se connaît pas, mais aujourd'hui, je crois qu'à travers les échanges, on a pu montrer tant soit peu que le marketing occupe une place importante dans la vie des entreprises. Le temps ne suffit pas, comme on le dit, le marketing, il faut peut-être une heure pour en parler, mais il faut toute une vie pour comprendre cette merveilleuse discipline qu'est le marketing. Et là, je voudrais donc finir par souhaiter plein succès à cette chaîne qui est très éducative. J'ai souvent l'habitude de suivre ici des émissions très, très intéressantes et qui participent à l'éducation de la société. Et ça, c'est un volet important du rôle dévolu aux médias. L'aspect sensibilisation, l'aspect éducation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdoukarim Faye. Chers téléspectateurs de M. TV, ainsi donc s'achève votre numéro 7 donc, de ECODE. Aujourd'hui, nous avons eu à parler donc, de l'importance du marketing dans le développement de l'entreprise. Avec nous, le docteur Abdoukarim Faye, n'est-ce pas, qui est docteur en sciences de gestion, marketing, assistant à la FASEC. Et aussi M. Lai Bambasek, qui est spécialiste en marketing et formateur et consultant, et que nous remercions vivement, en tout cas au nom de la télévision Mourchi TV, au nom donc de toute la direction. Et c'est l'occasion également aussi de remercier et de saluer aussi vivement nos collaborateurs de l'Institut africain de marketing et de communication, donc le groupe IACOM, n'est-ce pas, qui fait en tout cas de très bonnes choses à travers donc son directeur général, M. Mamoudou Diop, que nous saluons au passage. Et merci en tout cas à tous les téléspectateurs. Nous remercions également toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission, le coordonnateur Aline Badra Diak, la réalisatrice Maïmouna Gueye et toute l'équipe technique, le caméraman Modou Fall et tous les autres qui ont contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de cette émission. Rendez-vous donc à un prochain numéro donc de ECODE dans un mois. Merci beaucoup.